Et la poste se prépare elle aussi aux fêtes de fin d'année. Le travail ne manque pas, les colis sont plus nombreux et là aussi il faut répondre à la demande. C'est à Carvin que la plateforme de la poste centralise et redispatche les colis. Ici, près de 2 millions de colissimo sont attendus pour la semaine prochaine. La période de Noël représente 20% du chiffre d'affaires et les effectifs ont été renforcés tout comme les liaisons routières et aériennes. On prépare cette période depuis le mois de septembre. C'est pour nous un gros pic, on attend de gros pics d'activité. On met en place directement tout ce qui est plan de transport supplémentaire, tout ce qui est traitement de prévision avec nos clients. On travaille mandatement avec nos clients pour tout ce qui est prévision des dépôts. On travaille avec les services RH pour adapter vraiment l'effectif au trafic. On travaille avec les services de maintenance pour anticiper tous les possibles casse-machines.